Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de la carrière Football Manager 2015 avec le Montpellier Hérault Sporting Club. Alors, la dernière fois, on avait fait ces trois matchs-là. Donc Lille, Paris qu'on avait réussi à gagner. Miraculeusement dantesque, impossible, je sais, c'est pas français, mais bon voilà quoi, c'était un gros miracle après Monaco, voilà. Alors on a passé que deux matchs depuis, parce que je vous ai dit que je vous montrerai les matchs de Coupe de France les plus importants, et c'est-à-dire par exemple, on va dire je bats Nice en quart de finale, je vous montrerai la demi. Si je passe la demi, je vous montre la finale plus le dernier match de la saison de Ligue 1. Si je me fais éliminer en quart, vous aurez les deux derniers matchs de la saison face au PSG et Bordeaux. Voilà, c'est le deal. Bon, alors on revient à Guingamp, qu'on a perdu 1 à 0 avec un vieux match. Ah, bonjour à Alex Benito qui passe. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors donc on perd 1-0 face à Guingamp. Vous m'avez compris? Attends, c'est comment? Oui, c'est comme ça, voilà. Alors, et après, on s'est réveillé face à Nice, et d'ailleurs, eh ben, on a pris un peu, je pense, on a pris un peu l'ascendant psychologique, puisqu'on a remporté la première des deux rencontres, 2-1-0 avec un but de Tiené. Hein, ouais, Tiené, blablabla. Eh ben, il a marqué, Tiené, voilà. Et Aitfana. Par contre, voilà, Tiené expulsé. Voilà, il a fait du bon et du moins bon. Enfin bref, c'est pas grave. Alors donc, aujourd'hui, on va commencer par le quart de finale de la Coupe de France, qui, je vous rappelle, était mon objectif. Oh oui, je suis en forme aujourd'hui. J'espère que vous allez bien aussi. Mais moi, je suis en forme. Je pète les formes. Youhou! Alors, sinon, à part ça, et ben pour la finale, pour la demi, il y a déjà Lyon qui s'est qualifié avec un gros 4-1 face à Saint-Quentin. Saint-Quentin, il pouvait pas faire grand-chose, Saint-Quentin. Donc maintenant, bah c'était un peu défaitel. Ah, et Monaco et Bastia sont passés. Donc, ça s'annonce difficile quand même. Mais bon, avant ça, il va falloir battre les Niçois. Eh ouais. Sentiné. Voilà. Alors, il va falloir battre les Niçois. Sentiné. Et Sorbarios. Je regarde hein, les autres. Les autres, tout va bien. Est-ce que je mets Ligalimbo? On rentre dans le carré, enfin dans les grands carrés de la, enfin dans les derniers carrés de la compétition. Donc je pense qu'on va laisser Jourdren dans les cages. Bah, déjà, ce qui est sûr, c'est que pour l'attaque, on va mettre l'ami Souleymane Camara. Mais pour le côté gauche, que me proposes-tu le jeu? Tu me proposes Congrès. Pourquoi pas? Mais est-ce que El Kaoutari... Ouais, El Kaoutari a une meilleure note à ce poste que toi, Congrès. Mais bon, c'est pareil. C'est vrai que j'ai pas beaucoup vu ce Suisse. Le petit Suisse, on l'a pas beaucoup vu. Ah non. Non, 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 non. On l'a pas beaucoup vu, le petit Suisse. Le petit Suisse, on va le mettre là. Bah sinon hein, voilà hein, la même compo avec Deplaine qui est de retour, qui s'est enlevé les doigts des fesses et du pif, et qui s'est mis au boulot. Voilà. Bon, on voit que quand même mon équipe n'a pas non plus beaucoup marqué de but hein, quand on voit que Barrios n'en a que 9, Souleymane Camara 7. Voilà quoi, les autres, enfin le plus gros buteur hein, après c'est mon ailier, c'est Bakar. Franchement il va falloir que. Et j'espère vraiment que l'ami Guidetti, qui est où qui est dans les futurs transferts, pardon. Il est là, hein, avec ses 16 de finition, nous plantera un peu plus de buts, hein, genre par exemple le cumulé de Barrios plus Camara, ça serait déjà bien, hein, en un seul joueur, ou un peu plus, enfin on verra. Enfin bref, on est parti, parce que sinon ma materne est encore là. Désolé, un message urgent sur le téléphone. Merci à la personne qui m'a dérangé. Donc,
Donc, alors, attendez. Bonjour, je suis Léo Moreno de Beansport. Oui, bonjour. Dans quelle mesure l'absence de Mathieu Bonnemer est-elle une bonne nouvelle pour vous? Il est certain que je peux m'en plaindre, hein, mais il y a d'autres bons joueurs dans cette équipe, bordel d'un chien. Je crois qu'on dit nom d'un chien. Oh, hein, m'emmerdez pas, vous, hein. Cassez-vous, Beansport. Je fais grève. Je réponds plus à Beansport. Non, je rigole. Nous devrions mettre les défis demain. C'est pas un défi là. Bonne chance. Bonne chance les gars. Bonne chance. À la mi-temps. Allez, salut. À tout à l'heure. On essaye de les booster. Bon, ça va. Et c'est parti! Désolé, encore un message. Franchement, cette personne me casse les burnettes. Bon, de toute façon, il n'y avait pas d'action, donc on n'a pas manqué grand-chose dans mon commentary. Allez, un coup franc. Non! Voilà, allez. Le Bernaz! La contre-attaque! Vas-y, cours! D'accord. C'est pas grave, on a toujours le bal. De Plagne, oui, bon ballon. C'est bien, Mounier, vas-y, 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 tout droit! Il frappe! Et non, c'est Poupla. Et... Il a fait. Non, mais tu m'as pris pour qui, là? C'est trop facile. Bon, c'est bien, on essaye de mettre des actions, il y a du suspense. Ah, un corner, allez, c'est bien tapé. Oh, putain! Ed Fana, oui, bien joué, voilà. Il a compris qu'il fallait marquer des buts, Karim. Bon, on va revoir un peu tout ce merdier. Bon corner, avec Lasne qui fait, je sais pas ce qui s'est passé. C'est Billard, Puel, voilà. Hein. Et Ed Fana. Merci, Puel. Merci Puel. Ouais. Ah c'est con, il pourra plus nous rendre de service dans le prochain FM, mais oui. Vu qu'il est parti. Ah c'est dommage, il pourra plus nous faire de passes décisives. Ah c'est con. C'est dommage. Enfin. Allez. Oh là, attention, Chérou! Bah oui, non mais à cette distance, Benoît, hein, l'expérience. Hein. Je vous montrais Benoît Chérou, 33 ans. En coup franc, c'est quoi en coup franc? En coup franc, coup franc. 13. Bon bon. Chérou. Merci, tu me laisses même pas le temps de cliquer sur les trucs. Alors, nous on parle. Ouais, faut pas décevoir les supporters. Très important. Ouais. Après, hop. Et hop. Bon, alors. Alors, oui non là cette fois-ci c'était un message sur l'ordi que j'entends. Oh là là, Camara, hors jeu. J'ai entendu dans mon casque qu'il y avait un message et pour et en même temps sur le téléphone. On me harcèle, je vous dis, on me harcèle. Allez, putain! Oh, mais non, Mounier, c'est dans les cages qu'il faut mettre ces choses-là. Ah là là, c'est confus. C'est confus, c'est le bordel. C'est le bordel dans la chambre de bonne. Et la faute là, Digard! Le rouge! Le rouge, s'il vous plaît! Sortez-le! Le jaune. Vendu! Vendu! Allez, Sanson. C'est bien, c'est avec Mounier. Ouais. Hello. Merci Diawara, qui lui en vrai n'est plus à Nice. Merci. 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 Lui aussi pourra plus nous rendre de service. Merci beaucoup. Mounier qui centre fort. Et Diawara qui s'est chié dessus. Non, il a sûrement dû se la recevoir sur la jambe et pouf, dans les cages. Bon, sinon, je fais sortir qui? Ils sont à peu près tous logés à la même enseigne, donc ça va être un peu compliqué de choisir. Ouais, Samson, allez. Banco, va pour Samson. Samson, tu dégages, tu dégages, tu dégages. Ouais. Oui, tu dégages. On va faire rentrer le petit Suisse. Ah, Ed Fana, il fait un gros match. Il fait un gros match à Ed Fana, mais il est fatigué. Allez, le petit Suisse, au boulot. Pas de problème, patron. Au boulot. Sébastien, vrift, vrift. Attendez, Vautrich.
On va l'appeler Sébastien, voilà. Ou Seb le Suisse. Voilà, on va appeler Seb le Suisse. Un petit dernier changement pour la route. Paul Lazne. Il va laisser sa place. Ah. Jonas Martin. Allez Martin, en piste. Si le jeu te laisse rentrer sur le terrain. Non, un petit Suisse. Voilà, bon dégagement. Faudrait peut-être aller sur dessus. Hein. On va pousser la souris. Attention. Attention, mais dis non, ta sœur. Lucas Ottavio, d'où vous me sortez ça? Salaud. De Santos, pour un prêt. D'accord. Ok, salaud. Ok, bon, prolongation, merci, sympa, franchement c'est cool, bravo les gars, hein, ça par la faute du petit Suisse, j'aurais mieux fait le laisser sur le banc. Hein, on va te remplacer, j'essaierai d'acheter un vrai petit Suisse, parce que là t'es un faux petit Suisse, c'est un fake, c'est une contrefaçon. Je rigole. Il Mopé, ouais, dégage. Assassin. Bon, sinon c'est pas qu'on s'embête, mais on s'embête. Hein. On peut pas avoir des actions? Ça sent les pénaltys. Je ne sais pas pourquoi, mais ça pue les pénaux. Ah, allez, Mounier. Ouais, vas-y. C'est pas grave, Mounier peut-être pour un centre. Ouais, le Suisse. Ouais, oui. Allez, Martin, non. Marvaux. Qu'est-ce que vous foutez? Oui. De Plagne, bon centre. Allez. Ah, ouais, mais bon. Tout ça pour ça. Ah, c'est pas fini. Allez, Martin, oui. Ma camarade, le but de Mounier. Ouh, c'est pas bien ça, Mounier, contre ton ancienne équipe. Traître. Je rigole. C'est bien ça. Ils, je sais pas. Ah ok, passe décisive de Camara. Ouais. On passe. Ok, j'avais pas compris. D'accord, ouais, c'est Camara qui lui avait filé la petite balle. Piouf! Et il avait plus qu'à pour les pousser dans les filets. Oh, un coup franc de Mounier! Non, oui, non, but! Non, dégagé. En touche. Allez, la touche! Et fouap là, oui, bien. C'est fini, non? Ah, non. Un corner, bien tapé. La tête, le frappe, le but de Camara. Deux buts dans la deuxième mi-temps des prolongations. Voilà, c'est maintenant qu'on met les buts, alors qu'on aurait pu se fatiguer un peu moins en les mettant avant les 90 minutes du temps réglementaire. Enfin bref, c'est pas grave, c'est bien. Deux buts, 4-2. Normalement l'arbitre va bientôt siffler. Peut-être un petit dernier pour la route, hein? Question de... Non, non, bah non. Non, bah non. On a un peu de pitié quand même. Non, peut-être pas. Si. Et c'est fini, 4-2. Qualification pour les demi. Bon, et bah ben voilà. C'est bien ça. Bon, oui, désolé, j'ai essayé de me maîtriser pour ne pas faire un bruit très désagréable dans une vidéo. Alors donc, bah voilà. C'est bien. Franchement. Ah, c'est l'équipe. C'est Milal Boldor. Bandour, attends. Bandour, c'était très terré aujourd'hui. Vous devez être ravi d'avoir fini par vous dimposer. Bonjour, bonjour Milal. C'est une grande satisfaction. Nous sommes battus jusqu'au bout et nous méritons cette victoire. L'équipe. Je rigole. Ouais, on a dominé, on mérite totalement cette victoire, mais on aurait pu gagner avant les prolongations. Voilà. Bravo. 30 minutes de plus dans les jambes. Ça va être pratique pour la suite du championnat, ça. Hein, bravo. 10 sous! Ah oui! Hein, c'est qui est dégagé? On m'en fout. Bah, je vais vous montrer les demi, les tirages des demi, comme ça au moins c'est fait et ça sera plus à faire. Boum, ta 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 ta. Eh, pourquoi eux? C'est de la triche, c'est dégueulasse. Ouais, Lyon, ouais, bon, si tu veux. Coupe de France, demi. Attention, c'est parti. Le premier tiré, c'est... Bastia, contre. Monaco, super, je me tape Lyon. À l'extérieur, en plus. Mais c'est génial. Super. Et c'est pour quand? Pour le mercredi 8 avril 2015, à 20h55, sur France 2. Ouais!
Bon, eh ben, ah, ok, j'ai 2-4 matchs à passer. Bon, ouais, bon, à part Lyon, normalement, je devrais battre tout ça avant. Enfin, bref, je vous retrouve tout à l'heure, donc, pour Olympique Lyonnais Montpellier, pour la demi-finale de la Coupe de France. Allez, à tout à l'heure, bisous. Et me revoilà pour la suite, pour la demi-finale Olympique Lyonnais Montpellier. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé les 4 derniers matchs qu'on devait passer? Alors on a commencé par 2 défaites. La première face à Lyon justement, donc attention, ils ont l'avantage psychologique sur nous. Ce que nous on avait sur Nice précédemment pour les quarts de finale. Donc sur un but de Lacazette et Stindmalbranck. Suivi d'un revers de pas grand chose face à un Reims, 2 buts à 1, Moukandjo Ngog et but de Camara sur penalty. Après on s'est réveillé, 2 victoires avec la première face à Evian, un seul but de Camara, c'est bien. Et puis un 2 à 1 avec un doublé de Jamel Bakar et Maboulou pour les Bastiais. Bien, et ben on va s'attaquer à cette demi-finale face aux Bastiais. Alors la compo un petit peu changé puisque y a eu les suspensions, congrès et puis 2 blessures. Donc il a fallu remanier un peu tout ça. Donc la compo suivante, donc Jourdren dans les buts avec Tiene, Antlé, Kauteri, Deplane pour la défense, Saï en milieu défensif. Les centraux, Sanson, Lasne, Camara et Tfana pour les ailiers et Bakar en pointe. On va essayer de faire un gros match. C'est parti. Alors, incapable de prédire qui va s'imposer. Donc le pronostic il est miette et miette, hein. Donc tout le monde a ses chances. Et dans le classement des meilleurs buteurs de la Coupe de France, il n'y a même pas un joueur de Ligue 1. Alors, Romain Debello. Alors, bonjour. Il doit y avoir un petit sentiment de revanche au sein de votre équipe après la victoire de l'Olympique Lyonnais lors de votre précédente confrontation. Les joueurs sont impatients à l'idée de remettre les pendules à l'heure. Voilà. Donc les Lyonnais viennent avec l'Armada. Eder en pointe. Vargas, Fekir, Lacazette pour les milieux offensifs. Grenier, Fofana pour le milieu de terrain. La défense. Bisevat, Jallet, Umtiti, Bedimo et Anthony Lopez dans les pions. Avec Pionnier, mon ancien gardien. En remplaçant. Ah, bon, le banc, ça va. À part Ferry, Tolisso peut-être. Mwemba, à la rigueur. Ça devrait aller. Si on les blesse, je rigole. On y va! Et c'est parti! Pour la demi-finale de la Coupe de France, Lyon-Montpellier. Allez! Là pour l'instant c'est les Lyonnais, oula quand même pas déjà, pas maintenant. Pfff. Hors jeu, non? Eh ben non, Alexandre Lacazette, ok. Il lui a fallu à peine une vingtaine de secondes pour marquer la blague. Ok, ça commence bien. Bon. Alors donc 1-0 déjà. Ok. Ils sont pas venus, enfin ils sont pas là pour rigoler, mais nous non plus. Allez, la légalisation, non, c'est trop cafouillé, c'est trop pourri. Ah là 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 là, dis donc. Attention, ce corner. Oula. D'accord. D'accord. Bon, on va prendre le bouillon, c'est bon, laissez tomber, on a perdu. Allez, c'est bon, faut arrêter les bêtises, on va être réaliste. D'accord. Ouais. Bon, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est pas la peine, on va se mettre en contrée. C'est même pas la peine. C'est pas la peine. On prend déjà 2 buts en moins de 20 minutes. Non, non, faut pas s'en contrer, on peut pas. On peut pas. Plus fort que nous, ils sont. Plus fort que nous, sont-ils. Plus fort que nous, ils sont. Eh oui. Merci, Yoda. Ah Camara, attention, bien non, séché. Bon, il n'y a pas que Tine qui fait de la merde, hein, t'inquiète pas mec. Du gardien jusqu'au buteur, tout le monde fait de la merde. T'inquiète.
une dernière action avant la mi-temps, et pour les Lyonnais. Non, pour nous. Ah, un petit miracle peut-être, Camara, bah non, non, bah non, que dalle. Que dalle. Ouh, ouais. Je ne sais plus quoi dire, Vargas, oulolo, le grenier, la bonne passe, attention la cas, la casette. Ouais. Non bah non, là c'est foutu, hein, c'est pas la peine. Si on met pas un but maintenant, c'est pas la peine, hein, peut-être. Ah bah voilà, Camara, c'est fait. Voilà, le but de l'espoir de Camara. Bah il serait temps. Un bon centre et une bref un Camara qui réussit à marquer avec une bêtise des Lyonnais. Bon, Sanson, t'es déjà capoute donc tu vas dégager. Puis de toute façon, vu le match que tu me fais, monsieur Tacheron, c'est pas la peine de rester sur le terrain. Sauf que j'ai pas beaucoup de solutions. Voilà. Là. Bah de toute façon j'ai pas beaucoup de choix hein. Et mes autres milieux sont capoutes et blessés, alors donc on n'a pas vraiment le choix. Perdre confiance. Ah bon, bah oui mais t'es mauvais, t'as été très nul de toute façon Paul Lazna. Ah bah ça l'a motivé, d'accord. Je l'ai insulté et... Ok. Vas-y enculé, t'as été trop mauvais. Merci coach, je suis surmotivé là. T'as sort le poisson rouge. Ah merci coach, je suis super motivé. Ouais. Bon c'est pas grave. Lazne, sans ruf. Allez avec Saï. Saï, allez. Oui, de Pline peut-être. Un bon ballon. Oui, Camara. Ça progresse. Saï, oui. Camara, Camara. Non. Que dalle. Que dalle. Que chi. Attention, la casette. La casette, la casette. Va nous mettre un pion. La casette, la casette. J'allais. Ferry. Pour personne. Allez, la contre-attaque de Bakar. Allez, vas-y, Bakar, t'es tout seul. Vas-y, non. C'est pas possible, tu peux pas rater des choses pareilles. C'est pas grave, allez, Aïtfanin sur le corner. Bien tapé, Camara, non. Fais quelque chose, Lazn. Bonne passe. Aïtfanin, le bon centre, peut-être. Allez, fais quelque chose, c'est bien. La frappe. Je te demanderai plus jamais de... Bon. Allez, 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 oui. Oui, Antlé. Le but, le but. Le deuxième but de l'espoir. On revient. On revient, on réduit l'écart grâce à Antlé. Bon corner d'Aitfana. La déviation de Camara. Ça passe au travers. Et puis Antlé qui marque. Renard des surfaces. Après, après un truc qu'avait fait Kautari. Mais c'est pas grave, ça fait 3-2. Allez. Allez, allez. On peut égaliser. On peut les prendre par surprise. On peut prendre les Lyonnaises par surprise. Bien sûr, faut prendre ça à la rigolade. Je dis ça pour rire. Attention, la casette, non, pas ça, après tout ce qu'on fait. Pff, Jourdren, merci. Merci Jourdren. Allez les gars. Allez. Au boulot. Allez, Saint-Ruf, ça y est. Allez, un bon ballon, voilà, allez Aitfana, vas-y, vas-y, perce. Bah non, Tiene, allez, pourquoi pas dans l'axe. Allez, ça y est, ouais, le bon ballon pour Aitfana. Ouais, mais non, fallait servir, c'est pas fini, Tiene, le bon centre. Allez, Aitfana, ça y est, pour Aitfana, Aitfana, non, mais ça fait deux fois, putain de merde. Mounier, il me faut de la vitesse. Bakar, une capoute. Mounier en pointe. Non, on va mettre Berigo en pointe. Et je vais mettre... Attends. Parce que là, c'est fouillis. Ouais, deux changements. Bon, il m'en reste un. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets Barrios. Je mets Barrios direct. Voilà. Et en milieu central, on va mettre... Seraph, tu peux y aller, non? Bah non, tu sers à rien. Toi. Ah tu peux y aller, ça c'est bien ça. Ça c'est bien Mounier. C'est pas grave. Tant pis pour ta note, mais tu peux y aller quand même. Tu vas apporter de la fraîcheur et de la vitesse dans le milieu de terrain. On y va comme ça, allez. Allez, Barrios.
Pour les dernières minutes. Légalisation, non? Ah non, c'est trop court. C'est trop court. C'est cuit. Les carottes sont cuites, Arsène. Eh oui. Eh ben tant pis. Les Lyonnais iront en finale. Et les Montpelliérains rentreront se faire fesser par Nicolas. Youpi. La bonne blague. Bon bah tant pis, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette, ils vont en finale et nous bah on reste en carafe. Mais bon après demi-finale c'est bien, on est allé un peu plus haut que l'objectif du club. Quand même bien. Il va falloir relever la tête et repartir au combat, hein, on n'a pas le choix. Hein. La casette, bah, trop fort. Aller aussi loin et s'incliner maintenant est une immense déception, voilà, on va pas le cacher. Vous sortez de la compétition avec cette défaite, ressentez-vous beaucoup de déception aujourd'hui? C'est dommage, hein? Bah ouais. Voilà. Bon. Et ben un parcours en Coupe de France plutôt honorable. On aura été battu par un club qui est derrière nous au classement Ligue 1. Hein? Non, non, mais sur le papier, beaucoup fort que moi, on a essayé de se réveiller, mais on s'est réveillé trop tard. Je pense que si on s'était réveillé après le 2 à 0, le match n'aurait pas été pareil. Mais bon, après c'est pas grave, c'est fait. On peut plus revenir là-dessus. Hein. Maintenant, on va finir le championnat, on va essayer de finir une bonne place, une place honorable. On est à 3 points, 3 petits points de l'Europe. C'est pas totalement cuit. Après, ce n'est pas un objectif, hein. On nous demande d'être maximum 9e. Donc après, franchement, si on finit entre la 6 et la 9, c'est bien. Si on finit 5e, c'est beau. Mais bon, après, c'est pas obligatoire. Bien, bien, bien. Donc on se retrouvera pour Bordeaux, pour le dernier match, la dernière rencontre, la fin de cette saison 1. La fin de championnat, est-ce que après ces 2, 4, cette rencontre à peu près, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 6 rencontres, pardon, après un compté, 6 rencontres, est-ce que nous allons faire de bonnes prestations, avoir une bonne place pour la dernière journée, ou est-ce que tout va s'écrouler et on va finir dans la merde? Ah ah, surprise! Allez, à tout à l'heure pour bah justement la réponse à cette question. Et me revoilà pour la suite et fin de l'épisode. Bien, alors, il s'est passé plein de choses depuis notre défaite en demi-finale de la Coupe de France. Nous avons eu un premier match face à Toulouse, où on a perdu 1-0. Ouais, ça en est suivi un deuxième, 1-0 aussi, contre Caen. Et une défaite 3-1 face à Saint-Étienne. Youpi! Eh bon, après, on s'est réveillé, enfin, 2-1. Bakar Lasne contre Toivonen de Rennes. Puis 1-0 Aitana sur Lens. Puis l'exploit 2-1. Doublé de Bakar sur David Luiz 2-1 contre le PSG. Qui est donc, on peut dire, en vacances et déjà champion. Et donc, pour cette dernière journée, je suis 10e. Alors, les enjeux sont. Si je gagne et que ces trois couillons, je rigole bien sûr, c'est pour rigoler, perdent. J'aurai 57 points, sachant que j'ai une différence de 7. Je ne pourrai doubler que si je marque 2 buts, par exemple, jusqu'à Monaco. S'il y a différentes victoires, défaites, machin, bidule, je peux au maximum choper la 9e place qui est l'objectif. Enfin bref. On va y aller, hein, on est parti. Tout le monde joue le même jour. Alors, mes adversaires sont Saint-Étienne, Monaco. Alors, Monaco, Lorient, lol. Et Saint-Étienne, Guingamp. Bon, allez, Guingamp, hein, vous gagnez. Et Monaco, vous perdez contre Lorient. On y croit. Alors, la compo pour le dernier match de la saison. The Last Match. Le dernier match de notre maillot sous les maillots du Montpellier. Héros de Lucas Barrios. Parce qu'il est trop vieux. Et voilà. Grant Antlé, son dernier match, peut-être. Il a une moyenne honorable. Déjà, est-ce que si j'ai les sous pour payer sa clause libératoire, est-ce que je le prends? Là est la question.
Là est la question. Il peut être très fort. Loyal, il n'aime pas les gros matchs, joueur plutôt lent. Ouais. Mais bon, après, voilà, devenir un grand défenseur central de Ligue 1. Voilà. Qu'allons-nous faire pour ce joueur? Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, Tiene, El Khaouaïri, Ruff pour le dernier match. Non, deux plans, non merci. Saï pour le milieu défensif. Sanson et Lazn au milieu de terrain. Aitana, Mounier et Barrios devant. Arriba, arriba! C'est parti pour le dernier match face à Bordeaux. Un match difficile à pronostiquer, cela dit, je ne miserai pas gros sur Bordeaux aujourd'hui, même si l'équipe de Montpellier n'obtient pas de très bons résultats à l'extérieur depuis quelques temps. Je la vois quand même obtenir une courte victoire. La tâche des Girondins ne sera pas facile par l'absence de Henri CV. Cool! Rodrigue Fages. Oh là! Dans quelle mesure l'absence des Henri CV est-elle une bonne nouvelle pour vous? Bah ça. Ah! Bon. Alors, Carasso au pion, Punge. Super, Planus y joue, donc c'est pratique. Kazri Chantôme. Moi, ça va être un peu difficile à passer tout ça. Et Kizotelin qui a batté. Attention au centre-tête. Hop là. Sens de motivation. Ça a plutôt bien fonctionné. C'est parti! Pour le dernier match de la Ligue 1 de cette saison. Uno! Alors donc on voit Paris champion. Ah, Barrios qui commence déjà. Mais bon, c'est pas grave. Allez, Mounier! Attention à la tête. Quelqu'un pour frapper. Non, Mounier. Sanson, Mounier. Sanson. Mounier! Pas but! Non. Pas but de Barrios. La feinte. La feinte. Enfin, oh! Bien! Lille. Enfin, partout, on s'en fout. Alors nous, on est là. Traoré. Que fais-tu? Tu donnes le ballon à Ilori, qui la dégage très loin devant. Pour mon gardien, merci. Sympa. Très fair play. Aïtiené. Aïtfana. Lazn. Oh là, attention, c'est pas fini. Sanson. Barrios, Mounier. Barrios. La frappe d'Aïtfana peut-être? Non. Et c'est dégagé. Ça va revenir. Heureusement. Lazn. Tiene. Non. On a toujours le ballon. C'est bien, c'est bien. Bordeaux qui, comme l'avait dit l'autre gars là, est en difficulté. Barrios, non. Lazn, pour un centre peut-être. Non, Barrios, la frappe, non. Oui, but. But de Barrios. But de Lucas Barrios. Allez. Eh, mes points. Bah, et mes points alors. J'étais... Attends, j'étais à combien? Ah, j'étais à 57 parce que Saint-Étienne doit faire match nul. Putain! Centre de qui? Moi. Ah, attention, les Bordelais répliquent. Peu de temps. Oh là là, diabaté. Oui, il faut faire attention. Faut faire attention. Attention. Bordeaux à l'attaque. Encore. Centre de... Non. Allez. Attention, le centre peut-être. Ouh, bah voilà. À force de pas marquer, tiens, depuis tout à l'heure, ça marque. Je l'ai dit. Putain de merde. Allez. On doit finir à la 9e place là. Allez. Bougez-vous. Alors, consigne particulière. Non. À l'attaque. Et c'est un ruf avec Barrios. Le sang, non. Pas fini, Lazn. Allez, Sanson, Mounier, la frappe de Barrios. Non, oui, but. But de Tchéné. Eh bah, bravo, Tchéné. Voilà. C'est bien. C'est bien ce que tu fais. Bravo. C'est bien. Sanson, là, Mounier. Là, pour Barrios qui frappe. Voilà, Carasso. Bon, Tchéné, il avait plus qu'à pousser la balle. Voilà. Ça va, il s'est pas fait chier comme but, hein, sac à Tchéné. Hein. C'est pas embêté. Hein. Bon. Allez, on va faire sortir l'ami Barrios parce que sinon. Il va rentrer chez lui complètement KO et craqué. On va faire rentrer Bakar qui a le moral en excellent. Donc ça veut dire qu'il va être à fond la caisse pour la fin du match. Pour nous mettre un ou deux petits buts.
Toujours pas de résultat en notre faveur pour passer 9e. Allez, Saint-Ruf. Avec Bakar pour un centre peut-être. Non, rien du tout. Mais c'est pas grave. Antelé avec Sanson. Pour l'Asne. Pour Mounier. Non, ça c'est Adfana, pardon. Ça y est, l'Asne. Oui, Bakar! Non, saute dessus. Non, ça c'est un 3 points au rugby, ça, Bakar. C'est pas un 3 points que je t'ai demandé. C'est pas un drop, hein, c'est un but. Pas pareil. Ah, attention. Les Bordelais qui répliquent. Traoré, pas de faute. Attention, oui, c'est bien. C'est bien. Bravo, bravo les gars. Pas fini, hein. Ils ont toujours la balle, les Bordelais. C'est bon. Une touche. Bien. Non, dessus. Dessus. Ils vont marquer. Ah, merci, Tiennet. Bon dégagement. Ouais. Mais ça va, on a toujours la balle. C'est bien. Bakar, allez, vas-y. Fais parler ta vitesse. Bip bip. Ah non. Il y avait deux défenseurs. Hein. Faut faire attention au barrage policier. Hein. Il y avait un Bakar. Attention au retrait de permis. Marvo. La passe de Lazn. Même s'il fait un bon match, il est un peu fatigué, Lazn. Faut donner un peu d'air frais au milieu de terrain. Ouais, bah toujours pas de résultat. Favorable. Un dernier petit but peut-être. Et oui! De Jamel, ça y est, le 3-1. Le 3-1, on a fait le taf. Mounier, super corner. Ça y est, tout seul qui frappe. Contré. Ah, ils auraient pu donner le but à un Bordelais. Enfin bref, c'est pas grave. Dernière seconde. Et voilà, c'est fini. La saison 2014-2015 terminée. Sur ce score de 3 buts à 1 face au 6e. Ah, ils étaient 2e à un moment, Bordeaux, mais... Ils ont chuté. Et voilà. C'est terminé la Ligue 1, saison 1. Avec... Bah, on le voit, la victoire de Monaco. Et Saint-Étienne qui ne s'est pas fait chier et qui est allé faire un 1-0-0 enfin, contre Guingamp. Paris pour terminer, Amiens 5-2 à Reims. Allez, emballer, c'est pesé. Eh oui, la Ligue 1 c'est fini, relégation du stade de Reims. Il y aura peut-être des joueurs à récupérer, faut voir. Fournier, renvoyé. Renvoyé. Lyon est sans entraîneur. Et pourtant Lyon a fini 8e. Mais non, c'est pas assez. Dehors, Galtier aussi. À la porte, Galtier. Zou. Hop là. Eh ben dis donc, 5 millions pour finir 10e. Wouhou! Wouhou! Génial. Bon alors, classement final, les copains et les copines. Paris, champion, comme d'hab, depuis 3 saisons. Marseille, 2. Wouhou! Toulouse, 3. What? Oui, Toulouse, 3. Vous ne rêvez pas. Rennes, 4. What? Non, tu ne rêves toujours pas. Monaco, 5. Bordeaux, 6. Moi, 10e. Nice, 11. Ça va. Et Reims, Lorient, Metz, tombe. Meilleur buteur du championnat, Zlatan. Devant Toivonen, Cavani et Odell. Over. Odell. Ouais, t'es vieux. Désolé. Meilleur passeur, le Vedica by Payet Ntep. Et meilleur gardien, enfin, celui qui a pris le moins de buts, c'est Siagou. Lol. Enfin bref, c'est pas grave, c'est fait. Donc en Ligue 2. 3 Valenciennes Orléans. Lol. Orléans qui monte. Ça, alors là, ça va être rigolo. Enfin, on verra, pourquoi pas, hein, ils peuvent essayer. Et les trois relégués, c'est Auxerre, Tours et Ajaccio. Et en national, c'est Boulogne, Paris et le Port et Survie qui monte. Intéressant. Ok, ok. Bon, bah les amis, voilà. C'est sur ça que se termine cette saison 1. Voilà, sur une magnifique et sublime 10e place. Lol. Non, bah, saison mitigée, on aura fait 16 victoires, 9 nuls, 13 défaites, on a marqué 59 buts, on s'en est pris 50. Bravo, Jourdain. J'aime bien Jourdain quand même, mais franchement, là, il s'est pris 50 buts, ça fait mal. 50 buts quand même. En 38 matchs,
Franchement, la note est pourrie. Et pourtant, il a un bon niveau, hein. C'est ça que je ne comprends pas. Titulaire indiscutable même, hein. Et très peu de faiblesses. C'est complètement lol. C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Alors, Lee Galling, qui a 23 ans, lui, bon, il a fait 0 match, hein, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Lui, rapport, ils me disent qu'il pourrait avoir un niveau en dessous de celui de Jordan, donc je peux pas le faire, je peux pas le mettre numéro 1. Lui, il va rester numéro 2 en réserve. Je forme des gardiens. Ah, un défenseur central intéressant là. Ah bah oui, c'est Jem, ouais, c'est vrai, c'est le jeune Jem. Bah du coup, ah mais attends. Oui, on se retrouve. Désolé. Après, on forme des gardiens. Désolé, une petite coupure sauvage. J'ai eu un petit souci technique hors coulisses, enfin en coulisses. Désolé. Donc oui, pour moi, on forme des petits gardiens que du potentiel, c'est bien, c'est bien. Berthaud, c'est bien, le jeune Jem. Pourquoi pas, finalement, on peut le faire jouer et progresser, et en play, on le garde pas. Enfin, on verra, ça dépend. Je forme aussi un petit joueur, là, Bailly. Ah, mais on les avait pas achetés, eux, c'est pas les petits jeunes qu'on avait achetés. Mais attends. Bailly, si, ah, si, si, bah si, Bailly et machin. Pour très peu cher, on les avait achetés, mais lui il a 19 ans, un peu trop jeune. Ah. On peut faire jouer des jeunes. Ben, Jem et Bailly, je sais pas. Faut voir, bon, on les fera monter. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. On va les faire monter en équipe senior, comme ça au moins ils pourront tâter la Ligue 1. Jean Desa. Pourquoi pas, toi aussi, là. T'as l'air sympa, tu vas monter. Les autres après, qu'est-ce qu'on a? Roussillon et Djebbour. Ah, c'est vrai qu'il y a Djebbour. Ah, ouais, d'accord. On va faire monter ces deux joueurs-là. Jérôme Roussillon. Ah, bah finalement, j'aurais peut-être pas besoin de recruter de défenseur gauche. Enfin, on verra. Bon, après le reste, voilà, ça peut rester là encore en réserve. 20 ans, c'est ça va. Ouais, après c'est bof, en hein, U19. Ça forme, c'est bien, c'est bien. Ok, bon. Après, je verrai si je les garde ou si je les vends, tout ça. Hein. De toute façon, tout sera vu et décortiqué. Toi, tu vas aller directement. Voilà. Je dis que décortiquerai ça tranquille. Je verrai ça tranquillement pour le recrutement. Ça dépendra. Je ferai ça à tête reposée, tranquille, pour en faire faire une équipe suffisamment puissante pour viser mieux qu'une vieille 10e place. Je ne dirais comme objectif peut-être pour la saison prochaine, ça serait d'accrocher la 5 ou 6. Ça peut être sympa et faisable. Voilà. Enfin, on verra. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc pour de prochaines aventures, je l'espère, toujours aussi intéressantes et sympas sur cette carrière FM. Merci d'avoir regardé cette première saison. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, la saison 2 arrivera bientôt. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. J'espère que ça vous a plu une nouvelle fois. N'hésitez pas à vous abonner, un commentaire, un pouce bleu, Twitter. Tout est dans la description. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire tout ça si vous avez envie. Et donc, moi, je vous laisse ici. Portez-vous bien. À la prochaine. Bisous.